Bonjour. Donc, dans Excel, comment on va faire un graphique sur nos données d'allongement et de force? Donc, je viens sélectionner allongement et force dans mon graphique, menu insertion dans le haut, et j'aurai à venir insérer un graphique ici en forme de point, nuage de points. Donc, une fois sélectionné, je peux travailler sur mon graphique ici avec le plus. Donc, venir mettre un titre des axes, évidemment, travailler le titre du graphique. Je peux venir mettre une courbe de tendance, donc linéaire par défaut fonctionne. Un double-clic sur la droite, je pourrais venir, par exemple, faire afficher l'équation du graphique pour pouvoir trouver certaines informations utiles dans notre expérience. Une fois que le graphique est terminé, je peux le télécharger en tant qu'image pour l'insérer dans un rapport.